Salut zami mwen. C'est rubrique Paola qui publie sous chaîne YouTube Ma Bible mon trésor qui rentre la caillou. Principal objectif rubrique ça, c'est pour capable motiver ou pour chercher gagner bon gens connaissance qui basé sur la parole de Dieu pour capable vivre plus bien. Jodia dans numéro 912 toujours dans ça qui gagne rapport avec la guerre spirituelle de l'Église contre Satan et ses démons, nous portait pour même une réponse à une question que un pile monde qu'on a posée. La question est ainsi formulée. Est-ce que chrétien journée jour dio capable chasser démons dans la vie l'autre monde? Pratique ça dans le monde spirituel, y aurait l'exorcisme. C'est le fait d'ordonner aux démons de sortir d'une personne. Avant de répondre à la question directement, quittez de souligner pour vous-même quelques faits très importants. Chrétien qui a pratiqué l'exorcisme là, il doit prendre conscience et connaît que le posséder le mandat et la puissance appropriée pour chasser des démons dans la vie de l'autre monde. Deuxièmement, ce n'est pas tout le monde qui a chassé n'importe démon dans la vie de l'autre monde. Tendez ça bien, amis moi. Dans le christianisme, chasser des démons, c'est pas un métier que lié, mais c'est une grâce de la part de Dieu. Dans Matthieu 17, verset 21, Jésus te dit à disciples, gon catégorie de démons pour chasser la tête l'autre monde, faut dans la prière et dans le jeûne. Nous songez également l'histoire des sept fils de ce sacrificateur du nom de Séva qui t'a tenté chasser des démons dans tête monde sans que yo pas rempli conditions spirituelles que Jésus t'a exigé. Démons yo te bat messie sa yo et te chassé yo. Ou met à li dans Actes des Apôtres chapitre 19 surtout le verset 14. Qu'on y a réponse sans paraître plus clair pour nous-mêmes. Oui, journée jodi chrétien en bas puissance bon Dieu capable chasser démons dans la vie moun qui possédait. Déjà Matthieu 10 verset 8 enseigne-nous, Jésus te bay disciple mandat et autorité pour chasser démons. Marc chapitre 9 le verset 38, moun qui te kon chasser démons yo nan époque ça, yo te kon fè li dans le nom de Jésus ou bien au nom de Jésus. Actes des Apôtres chapitre 16 verset 16 dit nous, apôtre Paul avec compagnon lui te chassé yon démon yo te rele piton nan tête yon femme initiée dans affaire satanique. Et tendez bien zami moi, chasser démon, pratiquer exorcisme là, c'est pas pour faire moun wè non, mais c'est plutôt pour manifester l'autorité de Christ sur les démons. D'où c'est comme si nos premiers temps moi retirer corps moi disparaître pour Christ avec toute autorité li qu'apparaît. Deuxièmement, ça a servi pour capable montrer sous autorité chrétien possédé pour chasser démons, c'est-à-dire dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Également, la Bible pas dit nous premier disciple matin, midi et soir. C'est activité ça seulement yo te kon mené non. Et sou gade bien l'enseignement à travers les épîtres, li mande chrétien premièrement pour rete vigilant. 1 Pierre chapitre 5 le verset 8. Pour chrétien camper tête pour résister à Satan le diable selon Jacques 4 verset 7 et même pour capable prendre toutes âmes bon Dieu yo, les âmes spirituelles pour rete ferme dans bataille spirituelle là. La Bible conseille nous pour ne pas bailler Satan pied sous nous-mêmes. Éphésiens 4 le verset 27. Et surtout, chrétien yo doit consacrer temps yo à l'évangélisation des âmes perdues. Et pendant chrétien a mené toute qualité activité yo, il doit toujours préparer et rester toujours disposé pour obéir avec directive le Saint-Esprit. Et ensuite, chrétien doit toujours connaître en bas grâce bon Dieu et le niveau consécration li. Le Seigneur capable toujours servir ensemble avec pour capable renverser quel que soit forteresse diable et pour capable renverser toute qualité raisonnement et mauvais esprit qui empêchait les hommes expérimenter la puissance et la liberté de l'évangile de Christ. Zami mwen, ou même qui gen zorey pou tande,
tande, et tant pis, kembe contact ensemble avec nous pour notre plus prochain numéro. Merci.